Bonjour à tous et bienvenue sur TN15, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, les gars, petite vidéo assez différente de d'habitude. Là, vous allez nous voir réagir à une GTA de plus de 1000 chevaux. Il était avec la map 1, donc elle faisait pas dans les 1500, mais elle était quand même à plus de 1000 chevaux, ce qui reste tout de même incroyable. Et donc c'est la première fois que je monte dans une voiture aussi puissante et que je prends autant de chevaux dans la gueule. Du coup, dans cette vidéo, vous verrez ma réaction, vous verrez aussi celle de Titi le comique, celle de Kébé et celle de Tony Boyer. Et franchement, ça va mourir de rire. N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi liker la vidéo et la partager, ce qui me ferait super plaisir. Allez, à tout de suite dans la vidéo. Le moment tant attendu est arrivé. Regardez qui est à côté de moi. Et regardez dans quoi on est, les gars. Ouh, pinaise. On y croit. Bon, ça a séché un peu. On va voir si sur le côté droit aussi c'est sec. Mais ça risque d'être violent, donc je vais devoir avoir une poignée d'enfer. C'est pas fait pour moi, je suis trop grand, regarde, ça touche le plafond. Donc là tu dois faire deux montées pour... Pour essayer de qualifier. On verra déjà la première, qu'est-ce que ça va donner, parce que vu que c'est mouillé, ouais. J'ai pas mis les roues qu'il fallait, mais bon, ouais. On s'amuse. C'est bien. Bon, ça fait quoi de savoir se téléporter du coup? On a l'habitude. Ah putain, toi t'as l'habitude, bah pas moi. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Comment t'as ressenti cette montée toi de ton côté? On est en map 1. On est en map 1. Y'a combien de maps là-dessus? 9. 9? Et ça va de plus violent en plus violent. Donc là c'est le minimum. Là c'est le minimum. Les gars, j'ai goûté au minimum. Le maximum, c'est... J'ai pas... J'ai mes potes, ils me font des doigts d'honneur, ils sont trop... Oh, qui rage. 9 maps, là, on est dans la map. On est à la première, quoi. 6 secondes 9. C'est bon, t'as refait mon année. Hein. Ah non, franchement, c'est quelque chose. Parce que... De la vue, que c'est le mouillé. Ah, ou personnellement. Meilleur chrono sur le mouillé ce matin. Scratch avec toutes les voitures, personne n'a eu. Du tout, frère. Ah, pas mauvais.
c'est quoi? C'est... Ça patine trop. Ça patine, du coup ça bloque. Ouais. Okay. Dès qu'un rapport passe, t'as l'impression que tu... C'est un truc de ouf. Duel. Oui, monsieur. On n'a plus personne, plus personne en visuel. Hop, 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 on planche le vitesse, les amis, c'est parti. 3, 2, 1. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Il faut savoir que c'est une voiture que j'avais déjà présentée, donc si vous voulez voir la présentation de la Nissan GT-R, une présentation hyper complète, je vous invite à cliquer sur la fiche qui s'affiche en haut. Et dans cette même vidéo, j'avais dit que je ferais justement une vidéo spéciale roulage de la GT-R. Alors attention, c'est pas la vidéo que vous avez regardée à l'instant. Ça va être une autre vidéo beaucoup plus complète. Là, c'était juste pour vous faire voir un petit peu un premier aperçu de ce que ça donne à l'intérieur de la Nissan GT-R. Et en plus, il y avait les comiques et tout avec nous. Donc voilà, c'était tout bénef. Je voulais vous montrer ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt pour du très très lourd.